Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui ensemble l'horoscope de la semaine du 21 octobre du lundi 21 octobre qu'est-ce qu'il y a cette semaine dans le ciel le, 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 la première chose qui est importante c'est le soleil le soleil principe du soleil de l'horoscope qui va rester encore deux jours dans le signe de la balance et ensuite qui va passer en scorpion c'est toujours des passages importants au niveau des cycles parce que ça amorce des dynamiques complètement différentes on va y venir qu'est-ce qu'il y a le, déjà le 21 octobre qu'est-ce qu'il y a dans le ciel donc Jusqu'au euh, 23, hein, 23 dans la journée, donc jusqu'à mercredi soir, le soleil principe de vitalité est encore dans le signe de la Balance, signe de compromis, signe de souplesse, signe de douceur, signe d'apaisement, signe d'équilibre que j'aime tant. Et à partir donc de mercredi soir et jusqu'à la fin de la semaine, le soleil passe en Scorpion. Donc, quand il est en balance, qu'est-ce qui se passe Il donne de l'énergie, hein, jusqu'à mercredi, à tous mes signes d'air. Hein, donc, balance, la pêche, verso, la pêche, euh, gémeaux, plein d'énergie aussi, Lion, vous, euh, vous avez cet apport d'assurance qui vous va bien, aimé, sagittaire, vous avez cette fluidité, élasticité relationnelle qui vous permet de passer dans tous les environnements et tous les milieux, avec ce, ce charme, cet humour, et surtout cet optimisme chevillé au corps, que l'on adore chez vous. Voilà, ça c'est jusqu'à mercredi. Vous êtes les gagnants au niveau de cette force de vitalité. Et puis à partir du mercredi, soit, encore une fois, le soleil, principe de force, d'assurance, de vitalité, de, 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 de vie en quelque sorte, amorce son passage en scorpion. Et lorsqu'il amorce son passage en scorpion, il va enclencher une autre dynamique, une autre dynamique très forte surtout que cette semaine il y aura une nouvelle lune en scorpion donc ça va être très très dense très fort très puissant qu'est-ce que ça va donner ça va apporter d'un seul coup de façon assez rapide de manière assez inattendue un boost de volonté d'énergie de force de créativité d'afflux de, de, vital de confiance en vous à Messindo Donc mercredi jusqu'à dimanche Messindo c'est votre tour Messindo on les connaît cancer Scorpion, bien évidemment, ça se passe chez vous, et en même temps, mes poissons. Et qui est-ce qu'il y a autour du scorpion en sextile, en signe, qui sont tout à fait bénéficiaires des influences planétaires quand il y a des influences planétaires qui passent en scorpion C'est ma vierge qui est gagnante et mon capricorne qui est gagnant. Donc, cinq gagnants pour cette fin de semaine qui acquièrent à leur tour, et pendant plusieurs semaines, pendant à peu près un mois, toute cette force de volonté, d'énergie, de capacité à, à être dans la lumière, à aller chercher l'essentiel des choses, à être dans la lucidité, parce que le Soleil a toujours une résonance de lucidité. Aussi loin que remonte l'humanité, on était à l'extérieur, on allait chercher la vie. Hein, la journée, hein, la nuit, on était dans les mouvements de la Lune, on était plutôt en repli, euh, il n'y avait pas d'éclairage public, euh, voilà, c'est comme ça. Donc on avait, on a depuis des millions d'années le respect de ce cycle, soleil, vie extérieure, conscience, Lune, vie intérieure, émotion, ressenti. Donc qui est gagnant On l'a vu, toute cette force, mes signes d'eau et mes deux signes de terre en amont, en aval qui sont, on l'a vu, Capricorne et Vierge. Vous, vous avez un mois devant vous, on y reviendra plus en détail avec cette capacité à vous orienter sur des objectifs beaucoup mieux déterminés. Ça, c'est un apport énorme, considérable. Voilà ce qui vous attend. Qu'est-ce que je doute dans le ciel en ce moment J'ai toujours des planètes en scorpion, et pas des moindres. J'ai toujours Mercure, le mental, l'intelligence, et j'ai également Vénus, la vie amoureuse. Je regarde toujours Vénus. On sait que Mercure, il est plutôt heureux dans le signe du scorpion, quand on regarde à l'usage, quand on en a l'expérience. Pourquoi Pourquoi Mercure, l'intelligence, est-il aussi à son aise dans ce signe de profondeur Dans ce signe qui creuse, creuse, creuse pour aller au fond des choses. Il y a des affinités naturelles. Le scorpion est d'une lucidité redoutable, voit intuitivement les enjeux au-delà de l'apparence. Cette force, cette capacité à aller chercher. Les ressentis fonciers de notre cerveau reptilien à partir duquel nous sommes tous construits, c'est typiquement la représentation du scorpion et Mercure en est son digne ambassadeur. Pourquoi Parce que Mercure, l'intelligence qui va au fond des choses, qui comprend au-delà de l'apparence, prend une couleur tout à fait particulière dans cette configuration-là. Alors, à qui apporte-t-il beaucoup d'énergie en matière de capacité à faire travailler nos petites cellules grises. Hein. Qui sont les gagnants, encore une fois, bah, les mêmes que ceux qui sont concernés par le Soleil précédemment, donc je rebousse, c'est une dose en plus. Pareil pour Vénus, Vénus la vie amoureuse, la passion en scorpion, hein. Soleil, Lune, au moment de la nouvelle Lune, Mercure le mental, l'intelligence, Vénus la vie affective, hein. les gagnants de la semaine, soyons clairs. Hein, ce sont mes scorpions mes poissons mes cancers mes vierges et mes capricornes vous cinq vous êtes dans une spirale vertueuse tout à fait délicieuse pour avancer pour faire pour donner du contenu pour donner de la structure de la densité à ce que vous avez dans le collimateur sur le feu en ce moment c'est le moment de déployer vos énergies, de déployer vos talents, vos dispositions à être efficaces. Voilà, c'est ça qui me parle. C'est ça la toile de fond pour vous cinq. En parallèle, il y a un autre aspect planétaire sur lequel je voudrais qu'on s'arrête. Cet aspect planétaire, bien bah, évidemment, c'est celui dont on n'a pas parlé. Hein, je suis toujours dans cette logique d'aller voir la vitalité, d'aller voir euh, l'aptitude à communiquer, l'aptitude à aimer, et enfin l'aptitude à agir. En ce moment, Mars l'action est dans le signe de la Balance. Mars dans le signe de la balance, c'est toujours un peu antinomique, euh, structurellement pourquoi Parce que la balance est un signe de paix et Mars est une planète de guerre. Donc quand on met une planète de guerre dans un signe de paix, ça ralentit, ça anesthésie un peu ses dispositions initiales. Lorsqu'on regarde dans notre histoire ceux qui, pour l'anecdote, sont nés avec Mars dans le signe de la balance dans leur thème natal, donc ils sont conditionnés par une sorte d'énergie non violente en quelque sorte. On va trouver qui on va trouver Lech Wałęsa, hein, le créateur de Solidarność dans les années 80, qui en Pologne a été très efficace pour euh, mettre en place des systèmes qui ont fait évoluer globalement là-bas le régime sous une forme très simple, la communication non violente. Et puis également en parallèle dans notre histoire, un autre profil qui est né avec dans son thème natal Mars dans le signe de la Balance, c'était Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est l'incarnation même de l'affirmation d'une philosophie, d'une politique, d'un courant de pensée construite sur un mécanisme de non-violence. Mars en balance, la non-violence. Donc voilà le climat céleste, en quelque sorte, dans lequel on baigne, qui ne contrarie pas, mais qui vient arrondir un petit peu toutes les planètes en scorpion, qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus denses, beaucoup plus tonifiantes, beaucoup plus passionnelles. Ça crée un équilibre. Alors Mars dans la balance, à qui veut-il du bien il veut du bien à mes balances, bien évidemment, il me les stimule un peu, alors vous fait du bien à mes balances, un peu de stimulation de Mars sur votre tête. Ça veut, il veut du bien également à mes d'air. donc il veut du bien à mes gémeaux, il veut du bien à mes versos, il veut du bien à mes lions, il veut du bien à mes sagittaires. Donc vous cinq, vous bénéficiez de cet apport en matière d'énergie plutôt canalisé, pas d'obstantatoire, pas de crise, pas de montée en température, on gère son effort de façon pondérée, calme. Voilà, c'est ça la teneur de fond du ciel de cette semaine. Alors, pour n'oublier personne, bien évidemment, il y a toujours en toile de fond euh, mes planètes lentes, hein, que ce soit Uranus, Saturne et Pluton, vraiment des trucs très lents, très lourds, qui marquent de leur empreinte en profondeur les objectifs sur le long terme pour mes vierges, mes capricornes et mes taureaux. Hein, qui Ça contrarie, ça limite la casse. En ce moment, mes taureaux, toutes les planètes en scorpion, elles vous agacent un peu, c'est clair, il hein, ne faut pas monter dans les tours là. Heureusement, vous avez autour de vous plein de soutiens plus lents, plus posés, qui, qui vous permettent, avant de changer quoi que ce soit dans l'impatience, de voir les objectifs à plus long terme. En ce moment, vous êtes gagnants les taureaux en voyant à plus long terme. Ne hein, cédez pas aux impulsions, vous serez gagnant c'est certain. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Eh bien, toujours mes signes de feu, il faut en parler. Euh, ce Jupiter, euh, j'ai un peu tendance à en parler toutes les semaines, mais c'est vrai que Jupiter, la chance en Sagittaire, chez lui, euh, protège tous mes signes de feu, protège mes béliers, protège mes Sagittaires, protège mes lions. Euh, vous êtes toujours dans ces spirales, profitez-en, parce que Jupiter il va bientôt changer de signe, Et bientôt. Plus on approche de la fin de l'année, plus il va passer au signe suivant, c'est comme ça, chacun son tour. Hein, vous êtes les chanceux de l'année. Euh, on va passer le relais. Bientôt, profitez, profitez bien. Voilà, on a fait le tour. Euh, je vous parle de plus en plus technique parce que c'est vrai que j'ai une demande de plus en plus forte. Euh, avec tous ceux d'entre vous qui me suivent dans les formations astro, euh, ça vous donne plus de matière et puis j'ai bien entendu votre demande sur ces plans-là. Voilà. Et puis dans tous les cas, hey, merci pour vos likes parce que, soyons simples, hein, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Allez, on se dit à très vite, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.